Et encore une fois, nous sommes de retour sur Entropia Universe. Et donc, on a bien évolué, là, comme on peut voir, ça y est, on a enfin la tenue verte. Nous sommes plus un rookie à proprement parler. Nous sommes une recrue, plus ou moins. Même si ça revient à peu de choses près la même chose. Un petit lag, là, je me suis retrouvé, on a fait un petit bond temporel. Bon. J'ai pas mal de trucs à faire. C'est par quoi commencer, quoi faire. Le temps de se mettre en condition, on s'échauffe. Ah non, là, il s'est pas mis en mode footing. Allez, non, tu veux pas? J'ai dû changer alors. Ouais, bah, dans si tu veux. Ok, bon. Ouais, arrêtons. Donc, comme je disais, on est reparti. Et donc, il faudra peut-être justement continuer dans le bon élan. Donc ouais, c'est l'étantillon là, je sais pas quoi je voulais voir, c'était quoi ça? Ça se trouve au sud d'Odyssey Landing, au nord de Forfury, au nord-est. Donc on va aller à Forfury. On va aller au nord-est, on va voir c'est quoi. J'en ai 50 je crois à tuer, sinon on a 40 robots, et etc. Enfin on a quelques trucs où on n'a pas besoin d'en tuer une centaine quoi. Ça, j'ai 2-3 quêtes où on a juste besoin de tuer 40 mobs, 50 mobs. On va peut-être pas pouvoir faire ça de suite en une vidéo. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant non plus, mais on va essayer de varier comme d'habitude, enfin au maximum. Je vais essayer de miner à côté. On va essayer de découvrir un peu, encore explorer quoi, il y a de quoi faire. J'ai pas été dans toute la partie gauche de la carte. Et puis voilà, hein. Au fur et à mesure, ça va venir tout seul. Il y a les... Ah ouais, les gunplates. Mince. On a quitté la zone, mais tant pis, il faut bien partir aussi à droite à gauche. Mais je me ferais bien encore un petit donjon là, un petit gunplate. Ça rapporte bien, puis c'est assez cool à faire. Donc au nord-est. C'est dans ce sens-là. On va y aller, hein, on va voir. Plus someone for the gauntlet, il y en a qui demandent. C'est vrai qu'il faut pas hésiter, il y a un chat, je sais pas pour rien. Tout à l'heure, quand on passera, si on repasse la ville, enfin, de là d'où on vient, tout simplement, quand Icarus, bah, je mettrai un petit message, voir s'il y a des gens qui sont chauds. Il faut être au moins 4 ou 5. Je pense pas que ce soit ça, c'est un petit peu trop proche. On va quand même regarder. Je vois des points rouges sur la carte. Donc faut décider. Le nom va me revenir. C'est pas un nom que j'ai déjà entendu, mais ça va me revenir dès qu'on le verra si c'est bien ça. C'est pas ça. Ça c'est des Ramax. Oh bah c'est là du haut level ici, ça va être un petit peu dur pour nous je pense. Hein. Je me souviens, on était passé là, c'est hier d'ailleurs. Un peu plus tard qu'hier. C'est cela, c'est le level 17, demi-tour. Donc cette quête-là, je suis pas prêt de la faire encore. Hein. Les robots 6, là, c'est plus de mon... je n'ai presque autant à tuer. Même un peu moins, je crois que c'est que 40 pour les robots. Donc ouais, on va faire ça d'abord. Je sais pas si pour nous entendre de là, du coup, hein, parce que... On n'est plus vraiment dans la même région, enfin je sais pas trop, on va voir. On va reprendre le téléporteur à la concurie. Quand Icarus, concurie. Pour l'écurie. Donc au moins je sais c'est quoi ça. Fallait bien y aller pour savoir. Je les avais déjà croisés, mais tellement de bêtes que j'ai vu, je savais que le nom, j'avais déjà vu quelque part, mais j'étais pas vraiment sûr. C'était un level 17, donc on va oublier.
Eh bien, on va voir ça, il y a du monde apparemment là. Attendez, on va changer de posture. Ah, ça c'est pas ça que je... C'est que j'étais pas dans le dialogue ici. Trying toujours en stage 1. C'est bon, ok. J'étais pas sûr. Il y a même tout pour acheter des munitions et pour réparer son stuff. On est deux quoi. Non, il y en a un autre qui arrive. Ça va, ça se passe bien, on est 4, mais c'est bon. Enfin, les 3, plutôt. On prend le pistolet. Yeah.
Non, ça, c'est parce que je vais faire, je vais faire des... Ah, je l'avais pas vu. Ah, je suis mort. J'ai pas vu venir, je pensais que la vie était remontée, j'ai vu que ça commençait à baisser sérieusement, mais vu que je prenais pas trop de coups, je me suis pas trop soucié. Donc là, arrivé, mais c'est vrai qu'on a un truc maintenant. On va s'en servir rapidement. Alors... Hop, et un petit coup encore, et c'est bon. On va laisser remonter le reste. On va surtout essayer de les rejoindre rapidement. Wow. Qu'est-ce que je vais lui passer avec son short? Shortman. Expérience en visée et en weapon la technologie.
BLP pack, shrapnel, shrapnel. On n'a pas eu de truc spécial apparemment là. Tant pis. Parce qu'on est mort. Les mecs sont chauds pour le level 2 ou pas? Est-ce qu'ils sont partis? Je crois, oui. Nous sommes que deux pour l'instant, trois, ça va. Franchement, comme je disais, c'est excellent cette petite phase là. Il me semble que ouais, la dernière fois j'ai mis Mekoka avait bugué, je sais pas si du coup. Je crois pas que pendant que je faisais ça, mais qu'on fonctionnait, mais comme pendant le temps qu'on pouvait les guider, etc. Enfin, dommage, tant pis, je pense que ce sont en avoir d'autres. On va éviter que le micro ne fonctionne pas. Alors, au pire, voilà, vous voyez moi à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui compte. Je ne vais pas parler, je comprends pas que je raconte ce que je dis d'intéressant. Comme je disais d'ailleurs, vu que je me souviens pas, c'était si on en parlait, enfin bref, la première fois que je l'ai fait, mais là d'ailleurs encore, hein, ça me fait penser un peu, même ça n'a rien à voir, c'est juste l'environnement bien sûr, hein, et un peu le on va dire l'ambiance surtout, à Evolve. Genre on est dans une nappe, c'est le centre de la Terre quoi, on est en dessous d'un truc et tout, c'est pas mal. On s'en rend mieux compte un peu plus tard, là, on verra un gros trou où on voit la surface. Gunplay, Maximex. Donc il faut déployer, empoisonner la source d'eau. On a un plongeur avec nous. Il y a des points rouges mais je les vois pas. Ah si, il est assez gros quand même.
Elle a perdu un chemin ou quoi? Un T4 tout à l'heure. On sait qu'il est derrière. Je le vois sur la carte. Alors quoique c'est le tout à l'heure. Enfin bref. Il va partir faire ça lui. Maintenant faut buter la boss. Ouais c'est là. On voit bien que c'est entre, genre comme le voyage au centre de la Terre quoi, c'est en dessous. L'inframonde. Ailleurs. C'est moi qui a chargé. Non c'est bon. Elle nous a rien donné ou quoi? Ah, ça a mis un petit peu de temps. Mais elle nous a donné que des munitions. Bon, j'ai déjà fait une fois, c'est pour ça. La dernière fois, j'ai eu du matos de soins là. Et puis, je sais que quand je suis resté là, je me suis fait bouffer. Donc, on va la prendre. Faut pas trop rester. Si tout le monde part, faut se barrer. Et donc, voilà, il y a deux stages à faire ici par jour je crois. Donc voilà c'est fait. On va aller voir tout de suite. Ce qu'on a looté. Un peu plus en détail. Déjà on va vendre ça. Pour 2 pièces 10, ça va. Il faut que j'ai autant de munitions d'un coup avant. Je pense à ce qu'il y a de mieux à faire, hein. Mais bon, vu que ça ne sert pas ça. Et j'en ai pas mal d'avance. Et enfin la combinaison verte. Bientôt la bleue, si tout se passe bien. Par contre, j'ai toujours pas trouvé quoi faire de mes armes HS. On peut même pas les jeter quoi, enfin je veux dire comment on fait, qu'il y a bien un truc à en faire, à recycler, je sais rien. Pour en renforcer une autre peut-être. Je ne sais pas. Tout comme pour ça. Espèce de PC là, Genestor, OK Defender. Ça me savant bien ça aussi la shrapnel. Est-ce que là c'est pour 1,55. Donc si je m'en fais, ça, si je me trompe pas, ça me fera 15 000. Enfin pareil, la même chose mais en munitions. Combien ça vaut déjà la même chose. Ouais, mais je crois que c'est pareil. Il y a... Ouais. Bah oui. Ça vient exactement de les vendre, de les garder. Sauf que quand on les fait, on a des munitions standards, et là, quand on achète, on a des weapon cells. Je me souviens plus c'est quoi la différence. Bon, d'ailleurs, on pourra éliminer un peu. On va regarder le mission log. Bon, ça j'ai commencé, hein, j'ai été 3 sur 300. Waouh, j'ai été 1% quoi. Il y a le temps encore. Non, c'est assez balèze, hein. Faut tenir un siège
qu'il y a plein de petites bêtes qui viennent vous... sur vous, quoi, tout simplement. Ils viennent vous bouffer. Ça, j'ai été voir, c'est level 17. Je l'abandonne. Ça sert à rien de le garder de côté, le temps d'arriver au level 17. Ça, c'est quoi déjà? Bah, j'ai dit, je vous l'abandonne, elle. De bégayer. Tant pis. Ça c'est quoi déjà? Ah c'était le temps que... Ok. Ok ça bug un peu. C'est rien. Mais c'est bon. Et ben elle est partie. Excavate 500 Grassen Grease. Pour gagner des tokens. Enfin au moins. Pareil je sais pas c'est quoi encore. Bon c'est challenge 1. En principe c'est truc pour le bas level quoi. C'est ce que j'en déduis, mais je suis pas sûr. Holding force in, ouais, ça va, c'est faisable. J'en ai déjà tué 2, il me reste 38. C'est des drones, je me suis attaqué au 5, là c'est le numéro 6 maintenant. Les argonautes, ouais, c'est pas loin d'ici, et ils sont assez faciles à buter, je crois que c'est plus facile ça. Alors, on va essayer tout de suite, c'est pas très loin. Les argonautes se trouvent vers le port Atlantis. Donc au pire, on va s'y téléporter. Enfin, de mémoire. Et je pense que par la suite on peut savoir un peu mieux où se trouvent les créatures. Une fois qu'on l'a... Enfin, je sais pas, peut-être que c'est écrit sur la carte, j'en sais rien, mais là il n'y a pas vraiment l'indication. Je suppose que c'est avec les compétences, tout ça, ou le matériel qu'on va débloquer. C'est là, non, le port Atlantique, je sais plus, non. Non c'est ici. Et donc elle va être vers là, je crois. De mémoire. Les argonautes, ouais, ils sont pas loin de la grande ville, ouais, c'est ça. En tout cas, la première que j'ai été visiter, donc c'est le port Atlantis. C'est bien ça. L'espèce de gargouille. Non, peut-être pas, enfin, je suis passé un peu lumineux aussi, si je me souviens bien. On va avoir les bras qui brillent, ou un truc comme ça. Donc ouais, les gunclets ça faire au moins une fois par jour. Ça vous permet d'avoir une pièce par jour comme ça, qui tombe du ciel même deux, voire un peu plus. Et même du loot. Tout ce qu'il faut c'est une team. Il faut être au moins 4. Vous vous mettez devant et puis vous dites que vous, êtes prêt quoi. Puis c'est bon, en général, ils vous inviteront. Ah c'est la première fois que j'entends cette musique là. Je crois. J'ai plus ou moins l'oreille musicale, mais je pense pas l'avoir déjà entendu dans le jeu celle-ci. On peut sortir la voiture, ok, impeccable. Donc on va en voir d'ici peu là. Ce n'est pas un ça déjà. Non, pas ça encore. C'est là que vers là où il y avait le crash d'avion aussi, hein, de mémoire. Plus vers là ou plus vers là-bas. Est-ce que ça va ça? Bah, allez avance là. Pas low on fuel pourtant là.
Ça lag un peu là. Donc ouais, c'est pas ici. Ça c'est quoi déjà? Ouais non, en fait c'est pas parti de ce que j'ai à chasser ça. Donc c'est vers un crash d'avion là pour une quête. Donc c'est pas après le pont, c'était avant. Parce que c'était quand j'étais en train de découvrir cette zone que j'ai eu cette mission à faire. Joli coucher de soleil. Ouais, bon. Calme. On va finir dans l'eau comme ça. Donc là, je pense que ça doit être dans le coin. Je me souviens vaguement, et voilà, c'est ça. Il y avait un petit lac, un truc du genre, dans la zone. Bon voilà, c'était bien ici. Pick up. On prend le train principal. Et l'arrivée de toute façon. Donc ça va, c'est des level 3, tranquille. On va pouvoir se les faire. Bon, ça va pas être très passionnant, mais tant pis, il faut bien les faire. On va le finir au pistolet. J'ai l'impression d'avoir rien pris, mais ça doit laguer des fois, ça arrive après. On se fait charger ou pas? Est-ce que j'ai le temps de faire un truc juste pour voir à peu près là où j'en suis? Je vais essayer de le mettre en track. Voilà. 0 sur 100. C'est pas des argonautes ça quand même de buter? C'était quoi alors? Il me semblait que c'était argonautes pour toi. Alors c'est des iron. Peut-être que c'en est d'autres. Je vais quand même vérifier, mais il me semble que c'est des argonautes. Ouais. Parce que j'ai pas vraiment lu, mais ce que il me semblait que c'était eux, mais là, c'est bien. Donc on va lire un peu plus pour savoir ce que des fois il y a écrit la zone, où on peut les trouver. Non, je vais pas me mettre en éditeur. Younger Maturity Heure. Et ah ok, c'est que ceux qui sont young. Jeunes et qui sont vieux. Pas entre les deux. C'est entre les deux ça. D'accord, bon. Alors comment on fait? C'est quoi? Faut qu'on garde. Je regarde s'il y a des young. Ou des matures. Et lui c'est un grunt là. On va regarder s'il n'y a pas d'autres. S'il n'y a d'autres. S'il n'y a pas d'autres. C'est un outrunner lui, donc bon. Apparemment il y a plusieurs catégories ici. On va essayer de trouver ceux qui nous conviennent. Enfin ceux dont on a besoin. Surtout. Et c'est le même. C'est possible que ce soit pas ici. Dommage, mince, de toute façon on va se le faire lui, on est obligé. Si on a fait un truc. Et merde. Il n'a pas crevé quand même. Oh, là si je crois. Meurs-toi déjà. Voilà. Respecte-toi. Fais-moi la paix. Toujours 0 sur 100. Hein.
c'est que des outrunners et Kirby ou je sais plus trop. Ça lag. Bon, c'est pas là qu'ils sont à mon avis. Ça c'est que des outrunners. Faut trouver des Young. Bon, on s'en va d'ici, ça sert à rien. Donc c'était une fausse piste. C'est pas là. Je sais vraiment pas où aller pour trouver les Young. Là c'est pas écrit, hein. C'est vraiment débrouille-toi là. Trouve où ils sont. Je me souviens d'en avoir croisé ici, sûrement ailleurs, mais après c'est que je me souviens vraiment pas où. On va quand même aller plus vers là où il y avait le crash d'avion, parce qu'on n'y est pas vraiment en fait. Parce que parfois, bah, il se peut que là ça soit une certaine catégorie d'argonautes et là-bas une autre. On verra bien. Je vais regarder rapidement quand même, parce que moi les argonautes j'en vois qu'ici, hein, depuis... Il y en a beaucoup, alors, donc il doit bien y avoir ce que je cherche quand même. Où était ce crash d'avion déjà? C'était pas là, en tout cas. Il a disparu. Ah, il est là. Ah, c'est là où ça fume peut-être. Ouais, bah fumée noire. Donc ouais, bah, ça se trouve, ça sera les mêmes. Outrunner. Grant. Juvenile. Ah merde, c'est pas... Mais c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est pour une quête, mais on va quand même essayer d'apprendre. Je l'ai fait, je m'en souviens pas. Des fois que ça a raté du stuff. Eh merde, on est pris en chasse. Ah non, ah si. Il y a encore une autre ici. De toute façon, c'était pour cette quête là, c'était un objectif secondaire, bonus, comme il y a déjà eu. Wow, je suis là maintenant. Donc il bute lesquels lui? Les outrunners. Ouais bah, c'est pas ici alors. Il a rendu la quête que j'avais fait, ouais, ça se trouve pendant celle-ci, donc il faut récupérer les caisses, des fois ça peut servir comme bonus, c'est ce que j'ai déjà eu à faire dans un pseudo-donjon contre des robots, il y avait des caisses bonus à récupérer, et d'ailleurs je ne les ai pas toutes récupérées, il m'en restait deux. Je me suis fait avoir parce que je l'ai quitté, enfin j'ai actionné, il fallait faire sauter un générateur et je l'ai fait péter avant de pouvoir récupérer toute la caisse, ce qui fait qu'il y a un effondrement, puis du coup je n'ai pas pu faire ce que je voulais à la fin. Merde, du coup on est où là? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah, c'est ce qu'on revient en arrière un peu. Bon tant pis, on a déjà fait un gauntlet, on va pas trop demander. J'aurais bien voulu me faire une petite vingtaine de d'argonautes là, histoire d'avancer à la quête jusqu'à mi-chemin quoi. Si on peut dire. Mais bah non. Tant pis, argonautes young et mature. I never see him, en tout cas don't remember this. Je me souviens pas de l'avoir vu quelque part. Je savais qu'il y avait des argonautes ici, mais après quelle catégorie ça, je ne savais plus. Donc tant pis hein. Les Aatrox, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça je l'ai vu, il me semble que c'est un petit peu trop à l'aise pour moi ça. Dommage qu'il n'y ait pas une base de données là. Histoire de pouvoir savoir un peu. Surtout que je sais plus où ils sont. Hein. Je les ai croisés, mais là, sur le coup, là, je n'aurais pas à me souvenir où.
Ça c'est level 17. Donc aussi j'abandonne. L'effet foil. Bah je vais pas déjà enlever ça, bon bref. Ça, je sais même pas c'est qui ça les Ryu, j'ai jamais vu. Je pense que c'est pas de mon niveau aussi, mais bon. Bon, il y a que les Penny, hein. 500 Penny. Par contre c'est 500 Penny qu'il faut buter. Ben voilà. Au moins on sait quoi buter, mais 500 quoi. Ou 100 robots combattants, j'en ai déjà 40 à défoncer, ouais ça peut le faire. Bon, allez, on va aller faire un tour vers les robots, on va essayer d'en buter un ou deux, histoire de varier un peu, mais il n'y a pas de téléporteur ici, dommage. C'est quoi? C'est quand Icarus qui est plus près ou l'autre? Ouais, c'est à peu près à mi-chemin de toute façon. Allez, on va mettre un waypoint à quand Icarus. Faire une brève petite pause aussi rapidement. 5 minutes à peine. Je reviendrai après pour aller au robot. Il ira sûrement miner aussi. Voilà quoi. Comme d'hab quoi. En gros, faut essayer de se faire. Un emploi du temps, c'est le plus dur. Gérer avec la quête. En tout cas, c'est très prenant quand même. Je vais pas aller faire un tour dans mon petit coin où je trouve des fruits des fois. Merde, où est-ce que je suis parti là? C'est quoi déjà? Est-ce qu'on est avant ou après? On est revenu là où il y avait lui qui, ouais, qui est en train de miner. Ce qui m'avait donné l'idée d'ailleurs. Donc d'ailleurs c'était par où qu'on passe pour aller. Oh, mais c'est comme vous voulez là. Ça lag énormément, d'être beaucoup sur le serveur ou je sais pas ce qui se passe. Bon, ça se ressent. Pas vraiment quand on est en train de marcher, mais quand on est en véhicule, ouais. Non, c'est pas ici qu'il faut tourner à droite. C'était après, alors. Oh, je sais même plus. Je crois que c'est par là, ouais. Oh. Je sais pas si c'est... La connexion quoi, mais là ça... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce pas ça? Ah, je crois que je fais fausse route en plus. Vu le lag, je pense pas que c'est le meilleur moment de partir en expédition. Je vais finir je sais pas où, dans l'eau. Non, je vais aller au coin Icarus, faire une petite pause et j'en prendrai après comme j'avais dit. Je vais essayer de me déconnecter et de me reconnecter, voir si c'est ça qui délire. Bon, c'est pas méchant, mais c'est en véhicule, c'est un peu chiant. Bon, encore ça va en fait, parce que du coup les véhicules, même limited, peuvent être réparés par un mécano, donc c'est cool ça. Donc même si vous pouvez pas les réparer vous-même, quelqu'un qui a le skill qu'il faut et le matos qu'il faut peut vous le réparer, et lui ça lui fait des points. D'ailleurs j'ai trouvé un truc que j'ai pas encore trouvé. Compris à quoi il servait. Enfin, hier il m'a indiqué un waypoint. C'est une espèce de... Merde, je voulais le... Je vais le mettre dans la poche. Voilà. C'est une sorte de... Ça se tient comme un gun en tout cas, mais c'est pas vraiment un gun. On appuie dessus, une lumière verte se créer, enfin je sais pas, c'est bizarre. Et ça nous indique un waypoint. Un emplacement. Je l'ai suivi, je suis arrivé à l'entrée d'une carcasse de vaisseau. Assez gros d'ailleurs. Mais j'ai pas pu rentrer dedans. Il y avait une espèce de code à la porte, je sais pas trop c'était quoi. Donc, je sais pas trop ce que j'ai trouvé, mais ça m'a envoyé, je sais pas trop où hier. D'ailleurs, je n'ai pas pu de retrouver le chemin parce que j'ai pas regardé sur la carte. Mais ça doit être connu, hein, parce que... Je pense pas que c'est spawné là comme ça.
Ça devait être implémenté depuis. Voilà, c'est là quoi. C'est posé là, mais il faut le trouver parce que c'est sur un bout d'île. Et c'est vraiment à une extrémité de la carte où il n'y a rien au bout. Enfin bref. Donc bon allez, à de suite, une petite pause. Et on se retrouve après pour aller buter du robot.